5 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe en Somalie. Les faits se sont déroulés devant un café à Mogadiscio, alors que des habitants de la capitale visionnaient le match de la finale de l'Euro 2024 à l'intérieur du café. Une voiture chargée de bombes a explosé à l'extérieur, faisant 5 morts et une vingtaine de blessés. La plupart des victimes se trouvaient à l'extérieur. Heureusement, tout le monde à l'intérieur a survécu, mais les véhicules et les biens ont subi d'importants dégâts. En Somalie, des attentats perpétrés par le groupe militant islamiste Al-Shabaab sont fréquemment signalés. Le groupe s'oppose au gouvernement fédéral du pays, qui dépend du soutien des troupes étrangères pour rester au pouvoir. L'identité des auteurs de l'attentat du dimanche n'a pas été précisée dans l'immédiat.